Moi le malin, Diaz, maintenant, hein, qui là nourrit ça, les qui poissons, le patron, là. Hein. Qui c'est le patron, maintenant, beau, regarde. T'as beau lever les mains en l'air, je sais pas si vous le voyez, là, vous le voyez bien, là, à côté, entre l'hélicoptère et le radar, là, le Diaz, voilà, on le voit, là, en maillot de bain, en short, hein. Allez, maintenant, c'est gros, là, allez, maintenant voilà. On a la classe. Tommy se déplace uniquement en Maverick, hein, en c'est hélicoptère. Ça. Il a l'oseille, il contrôle tout Vice City, là, c'est parti. Et on a décidé, ben voilà, carrément, de racheter les studios hein, de Miami. C'est ça, de histoire de montrer qui c'est le patron, hein, ouais. Dans la compagnie, là. C'est ça. Moi, en tout cas, intérieur, intérieur carrément, dans la cour intérieure, non? Non, mais y a, c'est dehors pour acheter. Ah, bah d'accord. Hop là. Attention, n'habille pas le Maverick. Ouais, c'est pas moi qui paye, y'en a tellement d'autres. Hein. Oh, allez, c'est parti, on l'achète. 60 000, oui, voilà. Bonjour tout le monde, c'est les Chaman, hein. Salut à tous. On se retrouve pour la suite du Wolflou. Du Wolflou, j'arrive pas à le prononcer. Partie 9, hein, comme quoi ça avance quand même. Ça avance. Partie 9, hein, bon, vous avez vu hein, l'histoire. Continue, se passe bien et continue pour Tommy. Ouais. Là, on a joué 3 heures en off pour faire la mission d'autodéfense. C'est pour ça que maintenant, on a 150 de J par balle. Et aussi, on a fait les courses. Quelques courses pour avoir de l'argent, en fait. Pour parce avoir que, de l'argent. Hein. Ah, sur la Lune, il y a des M16. Hein. Alors, pensez-y quand vous irez. Attention, tu veux monter dans le vaisseau. Ouais, alors voilà, des studios de cinéma. Oui, alors ouais, on entre dans la dernière phase du jeu. Donc, en fait, il faut se débrouiller à acheter les petits commerces qui donnent des missions secondaires et qui, finalement... donneront les dernières missions du jeu après. Hein. C'est ça, oui. Tu peux donc, peut-être ouais, monter les, là. Les trucs là, les comment dire, les décors, voilà, c'est ça, les décors ça. Pour les cinémas, les films, quoi. Là, The Deeper aussi, ok. Donc, tu peux pas monter sur les petites échelles, hein, ça, c'est non. Juste un décor. Hein. Se cogne, voilà. Allez, c'est parti, donc on va se barrer d'ici, hein, voir un peu Inter Global Film. J'ai racheté cette merde là, c'est très mal placé, vous avez vu. C'est assez délabré quand même, au niveau des bâtiments, on voit qu'ils sont quand même assez usés. Les clochards, ils sont là. Et il y a les Raka et les trois manoirs de Raka, parce qu'on était là pour Diaz, hein, juste à côté. C'est très sympa ici, hein. Hop, un paquet caché sur le toit. Ouais, vas-y, ouais, on y c'est va. Parti, on va au stage D. Bon, si je me rappelle bien, le mec est très drôle. Hein. C'est un sosie de Spielberg, mais en crazy fuck. Hein. Ouais, c'est ça, il craque totalement. Quoi. Allez, bout d'essai. Action. Whoa! Now that's big. 12 inches. That is regulation, baby. Cut! Who is this idiot? You! You! Why are you in my space? Why? What is all this crap? Aliens! Baby, fishing poles! Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go! Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy. That's why. What is this? This is my art. Security! Look, you pompous asshole, I own you now. I own all of this. We're gonna turn this place around. I'm gonna make you rich. You're Tommy Vercetti, but I thought that you were... That's right. We're gonna be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about, But first, we're gonna need some good-looking bras. Yeah, girls are fine, but you... Donc voilà, on vous l'avait promis, hein. Pas moi de te couper, Tommy, mais voilà, le réalisateur est complètement est déjanté. Fou, il craque, hein, mec, des... pense qu'aux requins géants et aux meufs. C'est ça, et des requins géants surtout, là, des cannes à pêche partout. Et donc tout. Il va falloir chercher Candy Sex pour voir s'il y a à faire l'affaire, hein, en termes d'audition. Si elle veut venir chez nous, ouais, non, on n'aurait pas de problème. Elle a les mensurations nécessaires. C'est ça. Au point violet. On va au point violet, c'est parti. Toujours en Maverick et en musique normalement, enfin normal, pas de problème. Et c'est parti, là, il n'y a pas d'autre Diaz. Hein. Voilà, tous les on va pas non plus couler tous les mecs dans et le ça, ciment. C'est un petit secret, hein, que certains ouais. ont découvert à l'époque. Hein. Nous, on l'a pas découvert tout seul, hein. on nous l'avait dit à l'époque. Oui, ça, tiens, ici il y a Diaz. Hein, ouais. Assez sympa finalement. Hein. Ouais. On va voir comment Diaz a fini, il a sombré. Hein. Parce que c'est Tommy Eden ça, qui s'est occupé de lui. C'est ça. Ouais, ils ont mis une balle et après pour la. Enrobé de ciment et on l'a foutu dans la flotte. C'est clair. Ou alors c'est juste une statue, mais après les gens diront ce qu'elles veulent, hein, attention. Oh putain. Oh putain le Maverick. Attention. Oh, oh
Putain, j'ai eu chaud, hein. Comme quoi Tommy n'en a plus rien à foutre de la vie, t'sais. C'est clair. Il nique tous, hein. Ah, oh, merde, il y avait des morts, regardez, t'sais. Putain, l'hélicoptère, il est tombé sur un passant, je crois. Ouais, c'est comme ça, il y avait des billets. Bon, mais vas-y, t'as attends, il me faut une voiture, donc. Voilà. Il y a la police, voilà, la police qui rôde partout, donc je vais attendre de perdre la police là. Et après, on ira voir Candy, hein, si elle est d'accord. Et on va juste faire un petit tour. Vas-y. Non, je me rappelle plus les étoiles où elles sont. Je sais qu'elles sont là-bas, mais là si, au nouvel appartement que t'as acheté. Oui, la nouvelle maison, oui. Mais bon, je pourrais l'utiliser pour une étoile. Hein. Ah, c'est vrai. Parce que souvent, après que l'émission vers la fin, t'as souvent des étoiles, donc. Autant les économiser, parce qu'elles apparaissent là tout de suite. Des BF injections qui sont là pour la plage, qu'est-ce qu'ils foutent là, c'est des beaux véhicules, hein. Franchement, ils font un bruit assez sympa. Genre, ouais, ils ronronnent un peu là. Voilà, bon. Faut allez, que tu continues parce qu'il y a tout un flics là. Ouais. Au moment, il disparaît quand même. Hein. Aïe. Mais s'il y a un flic dans le secteur, en fait, elle reste l'étoile. On va se cacher. C'est qu'à faire le tour. Hein. Oh putain. Ouais, elles sont méchantes, ces pancartes. Bon, allez, la prends pas. Hein. Non, je la prends pas. Continue. Voilà, allez, pareil petite étoile, envole-toi. C'est bon. Ah ça y est. Allez, c'est parti, bon, tu vas un peu abîmer, mais c'est pas trop grave ça. Attends, y a pas d'autre meilleur véhicule. Ouais. La Rancho peut-être ici, limite, ouais, mais... c'est lance le cœur celui-là, ouais. Comme sur du bois, hop, la Sanchez, sure. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de prendre Sanchez là. Donc voilà, 810 VCN, c'est les studios de... VCT News, hein, voilà, ça. De journalisme. C'est ça. La télévision, vas-y. Ouais, je prends. Ils ont un petit hélicoptère, un Maverick un peu plus petit, je crois. Oui, ouais, ça très maniable, lui. Enfin, du stunt avec, on vous le montrera tout peu, enfin, un petit, oui, la moitié de la taille du Maverick normal. Tu peux passer cross the map, non? Tu peux passer dans les petites rues, là? Si, si, là. Ici, on peut passer à gauche, là. Voilà. Pas trop on atterrit. C'est bon. Faut essayer de pas trop rouler vite parce que. On peut se retourner. Allez, vas-y. Oh putain, voilà. Je vais la pousser. T'es pas allé assez vite. Dans ce jeu, tu la pousses. Vas-y, Tommy, il est balèze, regardez. Allez, il est fort. Ouais. Ça. Il fait un peu n'importe quoi, Tommy. Tu peux peut-être rentrer dedans, là. Ouais, on va essayer. J'ai reculé, ouais. Et à fond. C'est à fond, là, c'est bon. C'est bon. Allez, voilà. Place pour pas trop l'allumer, même si c'est que c'est pas la mienne, hein. Donc du coup, là Tommy il s'en fout totalement. Et ce tout petit halo là, c'est tout petit. Allez, c'est parti. Allez, donc elle a rendez-vous avec le représentant du congrès. Ouais, on voit c'est du joli, hein. Voilà, hein. Carrément, t'es une actrice avec le mec du congrès, quoi. Sure, but you'd have to talk to my agent. The hell are you doing? You should have stayed at home today. Can you believe this asshole? Voilà, il amène les Michael Jackson, vas-y, putain. Il envoie ses mecs, donc on va. Pourquoi tu dis pas? On va essayer de le chercher, non, mais ces mecs n'en prennent pas l'intérêt pour moi. D'accord. Donc une simple batte, ils ne valent même pas le coup que Tommy leur distribue des balles, on va dire. Hein. C'est peut-être pour éviter la police aussi, l'éventuelle police. Hein. Il va liquider l'agent. Alors, on va liquider l'agent, vous avez vu, il ressemble un peu à Michael Jackson là. Donc là, ouais, il va nous balancer ses mecs, je pense que c'est ça, ouais. Ah oui, c'est ça, ouais. De Street of Rage, un peu, hein. Vas-y, avance. Oh, il va mourir direct là. Ouais, il va crever là. Oh, c'était de la rigolade, voilà. Ça! Une étoile! C'était vraiment de la rigolade, j'ai envie de dire attention! Oh putain, j'ai un pneu crevé quand même! Moi, j'irai chercher l'étoile, parce que comme ça on est tranquille. Hein. C'est ça, tout à fait. Ne pas causer de danger. Ouais, c'est ça, ouais. De pas risquer de se faire choper. Attends, je vais même changer de voiture, hein, dès que j'ai plus l'étoile. Autant prendre une cheetah, hein, pour l'actrice. Ouais, peut-être, ouais. Ça dépend, il me semblait qu'il y avait. On y cherchait Mercedes aussi, je suis pas sûr, mais peut-être une 4 places, on va voir. On va voir, attends. Allez. Ah oui, c'est possible! C'est vous! C'est possible qu'il faille chercher d'autres. Sont... C'est chiant, ces pancartes, c'est incroyable comment elles sont puissantes. La DDE, ils les utilisent, hein, je pense. Et sinon, si jamais au garage, elle les soigne directement ou pas? Alors là, je crois que c'est possible. Que quand tu saves, je crois. Hein, ouais. Il me semble longtemps, ouais. Ouais, il me semble que c'était pour te savoir. Ou je suis pas sûr. Nos scopes. Ah, mais non. Nickel. On dirait, attends, non? Oui. Voilà, pain spray gratuit. Encore c'est mieux. C'est bien quoi. Ça. Ça c'est sympa, c'est vrai. La propriété, on l'a acheté, elle nous a coûté quoi, 14 000, hein, alors qu'elle a un héliport et un Maverick et tout, et nickel quoi. Parce que maintenant on va faire les missions comme ça, genre les vidéos, on va les faire les parties après avoir acheté les commerces. Hein. Oui. Donc là, c'est bon, on a assez d'argent pour acheter le Malibu, l'imprimerie, voilà, l'imprimerie, tout ça. Il resterait le taxi quoi. Vraiment, t'es petite, attends, je ne crache jamais sur quelques billets. Hop là, voilà. Tommy radin, même s'il est riche, il est toujours radin. Hein. Allez, patron, partons d'ici. Ouais, parce que patron d'ici,
Peut-être, en même temps, je pense pas qu'elle sache vraiment parler, tu vois. Bah ouais, c'est pas ça, fallait chez Mercedes, pas raison. Trop son boulot, hein. Ouais, c'est ça, je me rappelais. Elle est tout le temps dans les bons coups, Mercedes, hein. Tu sais, on l'amène là pour le Love Feast et tout, on sait pas trop on ce qu'elle fait. On rappelle que Mercedes, c'est la fille de Cortés. Ouais, c'est incroyable. Cortés qui nous a demandé de la surveiller. De la surveiller, on s'en occupe bien, hein. On la fout dans droite à gauche, dans les bras de drogués. Le mec, il a un petit peu fait le pimp, hein, ouais, par rapport à Mercedes. C'est clair. Et viens là, va chez même si elle est majeure et vaccinée, cela ne nous regarde pas, mais bon. Elle fait ce qu'elle veut. Ce qui paraît, il fréquenterait le. Le bar Fucking Blue Boy, mais bon. Ouais. Ça ne nous regarde pas. Du McDonald's, du McDonald's. Ah, carrément. Allez, ans. Okay. Tu vois bien aller au comptoir là, devant la grande frite. D'accord. Allez, c'est parti. Non, non, toi, tu restes là, toi. T'es trop peu vêtu pour rentrer. Ah, bah. Je crois que c'était la même, tu sais. Je crois que c'était elle. Et tes copines, parle avec elle, vas-y. You interested in doing some movies? Of course, as long as it's cheap and sleazy. You're hired. Get in. Et voilà, sortie des bons marchés. Alors là, je pense qu'elle va être satisfaite, hein, quand elle aura vu notre pédobère réalisateur, hein, qui est à base de requins. J'espère que t'aimes ça. Et alors, là ah non, elle a la porte. Elle bug. Okay. D'accord, en fait, voilà, vous avez vu comment Laurent, elle vient, voilà, c'est un peu comme des chiens à travers les trucs, quoi. Et c'était vachement glamour, j'ai envie de dire, au McDo, tu sais. Hey, t'as trouvé un film? Ah oui, génial. Embauché. Dans le McDo, tu sais, la magnifique conversation. J'achète, elle est grave. J'achète. À la suite. Ouais, c'est la chèvre qui fait ça. Et c'est parti, là, poussez. Ouh, je suis riche. Donc on arrive vers la fin quand même de GTA Vice City parce que là il reste vraiment l'émission du commerce. Hein. C'est ça, les commerces, puis les quelques missions finales hein, qui seront liées quand on aura un peu tous les commerces qui généreront de l'argent en gros quoi. Mais de toute façon voilà, même si on finit un peu avant, il y aura de quoi vous montrer avec des quêtes annexes et même un petit bonus qu'on avait pensé, puis aussi utiliser quelques codes hein, sympas pour vous montrer. Oui ça on avait dit conducteur agressif et voiture volante notamment qui sont des codes sympas. On essaiera, c'est des petits défis à lancer aussi. Attirer les filles aussi, c'est pas mal. Ouais, aussi. Sur un pont sans barrière. Allez, bitches, yeah. Allez, tourner dans le film. Allez-y au boulot. Hop, je les amène comme si c'était une cargaison, t'es, en reculante. Allez, on les baigne. Allez, go. Allez voir votre ami qui est très sympa là. Je sais plus comment il s'appelle le producteur. Pas le plus, non. Tu perds des marches. Attention, je fais. Sympa le requin. Hop, bon, on peut enchaîner tout de suite. Hein, ouais, je pense, mais arrêtez de nous embêter avec ce requin là. Je voulais savoir ce que c'était ce requin. Dodo Vibro. Ah ouais. Ouais, je crois que c'est avec. Avec le dodo, l'hélicoptère. L'avion. Ouais. Attention. How's filming going, Steve? Well, Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. What'd I say about the giant shark? Oh, boy. I said, no giant shark, all right? Just keep the cameras pointed at the poontang. Okay. Hey, Tommy, you guys gotta try, right? You get those flyers printed up? Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, in my trailer. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille à Miami. Et là, on va aller faire la scène dans les bateaux avec des requins géants. Géants qui les bouffent les couilles et tout. C'est des répliques énormes. Il est complètement fou le mec. Et non, pas dans la voiture, t'es juste là. Il est juste là. Mais attends, c'est trop loin. Pour Tommy, c'est trop loin. Ah, une soucoupe. UFO, UFO. Allez, c'est parti. Allez, on s'avance doucement. Voilà, donc là, le dodo, l'avion, le seul. Le seul avion, qu'on pouvait. Donc voilà, elle me rappelle ça. Il faire 2-3 vols hein, avec dans GTA 3, c'était. Il a du kérosène. Ah oui, il sautillait, c'est vrai. Ouais. Et là, faut que tu livres certaines zones. Donc, tu regardes pas pour la carte, hein, regardez. Enlève la légende. Oui, tout à fait. Alors, sinon, on commence par en haut. Ben, généralement, il faut commencer par en haut. On commence par en haut et on finit par en bas. Hein. Ouais. Clac, 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 clac. Ok, c'est bon.
Et c'est parti, donc là il est lourd, mais il s'envole pas trop par contre. Hein. C'est oui, pas, c'est ça, bah, c'est donc, faut pas juste, un chamal. Voilà, hein. tu passes dans les halos bleus, je sais pas si vous l'avez vu dans un avion là. Il me semble normalement que ça, fait, ça distribue ça. Donc là, la limite de temps en fait, c'est le kérosène. C'est le kérosène. Hein. Et bon, le carburant. Priori, si mes souvenirs sont bons, c'est hyper simple. Hein. C'est faisable normalement, on va voir. Hein. Ok, R2 il tourne pas comme ça. Y'a pas d'inclinaison de la queue là. Bien, alors c'est bon. Là, vous voyez, c'est là, c'est pas très compliqué. Hein. Tu passes. Attention, lightbox là. Là. Voilà, il les balance automatiquement. Il faut s'arrêter au truc, je crois. Parce qu'il y a des zones de sortie, non? Oui, c'est ça, oui. Ok, on les balance sur toute une zone en fait. On va être tenez, bande de connards. Je peux vous dire qu'il y en a des milliers de prospects, tu sais, parce que. Il faut, c'est clair. Il faut alimenter putain, toute la ville. Attention, putain, non, t'as mal géré là. Oh, putain, fallait pas passer par là. Ah bon? Ok, ça commence. Okay, voilà. Échec. Bon, ben on va la refaire. Mais j'ai pas compris là. Mais non, mais il fallait tout simplement passer par la droite et revenir tout droit sur cette voie. C'était hyper simple. Ah bon? Ah oui, c'était hyper simple. Si tu veux, moi je l'ai fait, mais c'était assez simple. Hein. Voilà, mais bon, bah, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il fallait que tu reviennes ici, tu vois. Fallait que tu derrière le bâtiment, ouais, derrière oui, ce bâtiment. Fallait que tu slalom. Ouais, mais bon, le point était assez mal. Parce que là, t'allais au plus droit pour tout droit, ouais. Économiser de kérosène, mais tu t'es pris la tour. Hein, voilà, t'as la première seconde, j'ai fait une connerie. Alors, il y a eu un requin géant, et tu vas pas me croire. Et il a bouffé l'avion. Il a bouffé l'avion, et a percé le kérosène, tu vas pas me croire. Hein. Alors, commence. Bah, c'est pas grave. Hein. On va zapper la cinématique. Ouais, voilà, on aura fait le premier déjà, c'est bien. Mais bon. Oui, c'est vrai que c'était des zones comme ça. Mais oui, c'était. Faut se remettre en main un peu du skimmer là. Allez, c'est parti, l'hydravion. Hop, on va y avoir deuxième prise. Hein. Acte 2, scène 2. Ouais, ça, allez, c'est pas grave, on la refait. Pousse-toi, toi. Qu'est-ce que tu fais, toi char. Là, t'es roqué au casting a priori. Hein, ouais, mais je crois que c'est tout à fait normal. Au là. Modèle. Appuie sur Alain. Okay. Un téléphone. Sammy. Sonny. Obviously, you are suffering from hearing problems, so I'll try again. Where's the goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my gun? Are you new action? You are making an idiot out of me, Tommy, and I'm not laughing yet. Voilà, ok, Sonic qui nous rappelle un peu à l'ordre. Hein, ouais, c'est clair, hein. Très dit, sympa. Where is my fucking money? Apparemment, t'es un peu sourd, il lui a dit, hein, attention. Eh, parce qu'il faut lui rembourser la cam et le fric. Hein. Et surtout, et il veut un pourcentage ouais, sur le nouveau business. Il rêve, lui, franchement. Hein. Son nouvel empire que Tommy monte à l'image de Scarface. Ouais, vas-y, il récupère il le streamer. Quand même, hein. Ces mecs, même sur les nouveaux trucs, il veut quelque chose. Quoi. Qu'il nous appelle hein, pour nous foutre un peu la pression. Hein. On sent bien que ça continue un jour à faire une descente à Vice City. Hein. Ça va être chaud. Hein. Ça ne saurait tarder à force. Allez, deuxième. Non, mais le temps était pas beau, on va dire. Il faisait nuit. Non, mais t'as compris comment il faut faire. Ouais, je vais essayer de contourner cette fois. Allez, c'est parti. Attends, donc là c'est bien, hydravion, là t'as pas trop peur de l'eau du coup. Attention, il est trop lourd, t'es. Ah bah ouais. Hein. Dès que ça vole pas très haut dans ce jeu, hein, forcément là, dès que t'es un peu en hauteur, ça retombe. Allez, c'est parti. Donc là, ouais, je vais essayer de faire une belle courbe. Je trouve que c'était assez beau. Quoi, assez, ouais, tout, franchement, regardez là, magnifique. Hein. Au fond, il est sous-marin, ouais, la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, il y a plein de easter eggs. Hein. Prends bien l'endroit. Je prends l'angle comme ça là. Bon, je vais essayer de tout à coup. Okay, il n'y a pas de tracé. Je vais tout droit alors. Tu vas tout droit et après tu vas à gauche. Tu vois, tu t'emmerdes pas. Hein. Là, tout droit. Voilà. Et après, ouais, au deuxième bâtiment, tu vas à gauche. Ouais. Là, tu peux aller à gauche, c'est bon là. Là, comme ça. Voilà. Ah ouais, d'accord, très là, bien. Moi j'ai fait l'hypoténuse en fait. Hein, oui, c'est pour réviser ça. Les maths. Hein. Du coup, j'ai fait touché. Voilà, c'est bon. Touché. Là, tu vois. Ils sont linkés un peu quand même. Hein. Les différents endroits. Oui, ça. Tu peux pas les louper. Attention, putain. C'est bon. J'ai touché. On les touché. C'est bon. Putain, faudra redescendre un peu là. Ouais, il est un peu en bas. Hein. Ouais. Allez, non, il est là. Okay. On va un peu ralentir parce que je crois que ça va être à gauche après. Je me rappelle bien, il y en avait un à gauche, tu sais, sur la map, là j'avais vu ça. Relève. Voilà. C'est bon, tu vas tout droit, tu te emmerdes pas. Là, à droite. C'est quoi derrière là, en fait? Ok, bon, on se préoccupe pas de ça. Allez, continue cela. C'est bon, je suis le chemin, ouais. Normalement, ça doit pas être très compliqué. Ouais, c'est bon. Là, en hauteur, ça sera vers là. Franchement, ils distribuent des fly un peu partout. Hein, il y en a des tonnes et des tonnes. Regardez. Fais gaffe à l'arbre. Parce que si on se promènera dans la ville, on en trouvera par terre. Hein. Oui, après, on en trouvera par terre. Oui, ça affecte hein, l'environnement. Les feuilles ne sont pas matérialisées, c'est bon. Attention! Oh mon dieu! C'est bon. À gauche. Et après, tu vois, ça va. Attends, tranquille. Là, le kérosène, on l'a pas trop gaspillé. Hein. Ici là. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ils ont prévu que tu puisses quand même rater un passage parfois. Oui, c'est ça. Ouais. On va prendre un peu large là ici. Ah non, c'est bon, c'est là. Non, t'en fous, c'est bon. Hein. Ok, très bien. Ah, on va aller sur la première île sûrement. Non, je sais pas. Ouais, peut-être. Non, je pense pas. On va sur cette île. Non.
Non, c'est bon, ressources ici. Allez, dans la flotte, c'est quoi? Allez, moi je l'ai fait, on va être très efficace, je crois, ici. Oh, mauvaise idée là. Ah, fais gaffe, fais gaffe. Ça pop en plus le bateau des sailors. Allez, c'est descend, on va sur l'avenue principale, comme ça, t'as pas de problème. Et on pop des arbres un peu comme dans GTSA. Et au VCP, même si dans GTSA c'était beaucoup plus mortel. Et là, je pense que l'avenue, elle va être. Elle va être vraiment polluée. Elle va être vraiment, ouais. Spammer, hein. Attention, parce que ça a les textures clip, hein. Ouais, c'est ça, les arbres apparaissent, hein. Allez, monsieur Whoopi, tiens. Attention, tiens, Whoopi. Voilà, bon, là, toi, c'est là, ça reprend, pas très compliqué, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Tu vois, c'est varié, hein. Non, c'est bien, sont c'est vrai, c'est vrai. En même temps, c'est la force de GTA, hein. Si on commence à faire une liste des qualités, c'est assez incroyable, hein, de toute façon. C'est pour ça qu'il a autant de succès. Prends bien large à droite, va large, non, non, comme un camion. Ah non, ouais, bah okay, d'accord. Tu sais pas non, mais non, je crois que c'était pas là. Bah non, je ne conduis pas des camions tous les jours. Hein. Allez, vas-y, à gauche. Doucement, doucement, pour pas piquer du nez, genre pour pas tomber. Voilà. Oh putain, ça va être trop. Ouais, c'est chaud. Non, allez. On le tente, le noscope. Allez, voilà. Là, du coup, ça va être derrière. Donc, t'en fous, toi, que la droite. Hein. Oh putain. Non, faut être sur la grande avenue. Hein. T'es sûr? Regarde où il est. Mais tu passeras pas là. Sans figure. Si ça prend. Allez, continuez. Allez, tais-toi la radio nulle, la DJ. Ouais, mais une bonne musique. Non, mais c'était le DJ, c'est pour ça. Mais qui parle parfois. Sinon, c'est mieux les radios automatiques où ils lancent toutes les musiques directement. Ah, c'est bon, là voilà. On va prendre un peu là pour être aligné. Ouais, pour être tout droit. Oh putain. Attention. Ouais, parce qu'il faut un peu mettre de pub sur notre Toddy. Hein. Attends, c'est obligatoire. Oh là là. Prends bien l'arche à gauche et la droite. Ouais, ouais. Gauche, et après tu vas à droite. Ouais, tout à fait. En tout cas, là, si je rate pas, j'en distribuerai beaucoup. C'est le dernier normalement. Voilà, c'est bon quoi. Ça devrait peut-être être réussi maintenant. Attention. Yeah, même sur le pont. Et voilà, nickel. Mais là, vas-y, atterris comme ça à l'arrache. Hein, sur le plateau de cinéma. C'est vrai qu'il pète pas comme dans GTSA où c'est qu'on explose avec les véhicules. Mais oui. Là, il fait attends, je fume et je brûle. Voilà, donc on les enchaîne hein, parce qu'on va finir ce commerce. Ah là. Oui, il faut finir ce commerce, après on va faire l'autre. Je freine, je recule. On alors, décide, on s'est arrêté en 2-2 quoi. Et je vais le garer, bip. Bah, c'est la magie de GTA. Ah, attention. Désolé les gars, je vais le garer là. Je suis chaud. Comme la T400 dans GTA 7 qui sort et le truc il est énorme. Je slide, yeah. Bah, on s'en fout, on s'en fout. Oula, t'es fait clac clac. Oh, téléportation, TP. Ouh, c'est parti. Allez, on va au D-Stage toujours. Hein, mec, j'ai vu des requins en ville, c'est impressionnant. Eh, c'est parti. Troisième mission. Martha. Martha. Oh putain. Si je me rappelle bien, mission difficile. Enfin, bien quoi. Ok, what's the problem now? After his close encounter with the Nympho invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic mountain. And that's when I want to do the scene with the Vadimesh potatoes, but then I don't give a crap about that! Just keep going, keep going. You mentioned something about some legal problem on the phone. Congressman Alex Shrub has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritan vote. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the more fleshy aspects of this nation's great entertainment industry. Okay, all right. Okay. Candy, okay, you know Shrub. Okay, you guys get up to anything Bob. Kinky? Oh, yeah. Okay. Uh-huh. Oh, yeah. All right there. Oh, yeah. Okay. All right. Yes. Oh, yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah, Candy. Oh. Yeah. Oh. You got that. Was that part of the, or was she talking to? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably best following her after the shoot. See if she'll lead you to their new love nest. You got a camera? Yeah, get him a camera. Ah oui, puis après on aura un peu plus de temps pour faire les cons avec. C'est on vrai. Va prendre une photo n'importe qui. Ouais. Allez, on va voir ce que va faire Candy Sux, a priori. Ouais. C'est faire qu'une chose, hein, chevaucher les mâles. Elle n'a pas tout compris, enfin, quand on lui parlait, elle n'a pas tout compris. Attention, donc, il faut la suivre. Donc, voilà, t'as un petit sparrow, t'as un sparrow, vas-y. Photo comme ça, t'es, voilà, bon, on va pas gaspiller, j'ai qu'un déco 12. Hein. C'est pas du numérique, les gars. En 80, prochain véhicule, elle va s'enrayer au moment où je vais arriver. Donc, le sparrow, un nouveau. Nouvel hélicoptère. Hein. Tu prends une photo, puis un sauron. Oui, sparrow. Lol. Non, pas du tout. J'ai vu juste que ça bug, voilà, donc tout fait de fer, on va dire, hein. Et tout fin, plutôt maniable aussi, hein. Prendre une gravure peut-être. C'est clair, t'sais. Donc voilà, très maniable, c'est fait exprès. En fait, on va faire une mission de filature depuis un hélicoptère. C'est très. Attention, un hélicoptère qui nous suit. Non, c'est rien, tu sais. Il vole à la hauteur des rues comme ça, mais c'est pas grave. Il est chinois, t'sais. Ouais, pas lui. Allez, nos scopes.
Vas-y, oh. Surveille la tête, la voiture là. Non, y'a pas de problème. Il marque un. Là. Elle est toujours là, en musique, donc partout on les suit, on prend un peu d'altitude quand même. Y'a pas de distance là? Bah non, donc faut les suivre. Donc apparemment je peux même leur me poser sur leur toit, mettre en mode galerie, tu sais. Et tout ira bien apparemment. Non mais voilà, on les suit à distance, essaye ouais. De voilà, comme un peu plus loin peut-être. Plus haut? Plus loin comme ça? Voilà, comme ça, plus loin, pour ouais, qu'on les voit. Comme ça. On les voit, comme ça voilà. Un peu incliné, bon sans même, je prendrai pas les rues moi, je prends les bâtiments, je m'en fiche. Oui hein. C'est ça, tu prends en hauteur, de toute façon je sais où ils vont donc. Donc vous avez vu toujours des missions variées, mais c'est qu'avec le studio cinéma c'est plus des missions un peu de cascade si on peut dire ça parfois. D'action, en pure d'action. Plus spectaculaire hein. Mais c'est ça qui fait sa grande force comme tu l'as dit, hein, la variété quoi. Même si c'est au final on suit les gens, c'est mis en scène différemment à chaque fois. Après voilà, si on commence à dire qu'on tue des gens c'est répétitif, faut pas jouer à code ou tout à FPS hein. Je n'en ai pas sorti. Bon, on va reprendre de la hauteur. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de jauge. Ouais. Je pensais qu'il allait y avoir une jauge. Ouais, parce que je crois, moi, ils vont dire putain, on est suivi, non? Je sais pas, on sait jamais. Peut-être bientôt, on va voir. On va pas se tourner la caméra. Bon, on sait où ils sont là. En gros, je suis le radar, c'est pas de problème ça. Et Tommy lui, il voit en fait. Il partage pas, tu vois. Lui, il s'en fout, il voit. Lui. C'est clair. Voilà. Donc, tu peux changer de vue, non? Je crois. Ouais, ouais. Ça. Près. Comme ça aussi, ça fait un peu vomir. Hop, ok, comme ça aussi. Climatique, ouais. Ouais, moi j'ai la caméra dehors comme ça là. Attends, je vais reprendre une vue normale hein, pour essayer de me rapprocher un peu plus. Toi, ils sont bientôt arrivés là. Ouais, ouais, tout à fait. Parce qu'ils vont dans ce bâtiment, bâtiment là, à droite où il y a la piscine. Le gros, hein. Vous rappelez le gros, il y avait Gonzalez là. On l'avait fini à la tronçonneuse en fait, on devait le finir à la tronçonneuse, on l'avait écrasé hein, si vous vous rappelez. Hein. Ouais, on s'est pas embêté. C'est ça. Attention, un pig. Un pig débile hein. Marche, il est bien. Même pas troublé le pig. Ouais, hein. C'est clair. Là, elle est pas du tout handicapée comme marche. Des mecs du FBI. Peut-être fatigué du travail, mais c'est pas grave. Candy, can you call me Martha? Oh, Alex. I mean Martha. Whatever you say. Mais quel dialogue! C'est clair. Attention, ça frise un petit peu là. Putain, j'ai eu peur. Hein. Il te faut 3 bons clichés. Donc là, en fait, il faut que tu montes dans un appartement, tu vois là. C'est ça. Mais là, je me rappelle là, ils se mettent là directement voilà. Pour partir. Hein. Là, comme ça là. Vas-y. Et donc voilà, vous avez vu que c'est pas le maire, mais c'est un représentant de. Oui, qui est une élection. Une élection, c'est ça, un gouvernement. Gouverneur. Il veut s'appeler Martha. Il veut prendre les votes des puritains, mais bon, voilà, vous avez vu. Eh bien, j'ai l'impression sur lui, en fait, on va leur prendre des photos de lui avec elle parce qu'il veut lutter contre la pornographie, mais bon, voilà, il en utilise, on va dire, il s'en sert. C'est clair. Je monte très vite. Oh putain, fais gaffe à la rambarde. On va prendre directement l'appareil photo. Yeah, j'ai l'appareil photo. C'est mon arme ultime. En tout cas, c'est bien pensé d'avoir. Ouais, c'est clair. Vas-y, là, clac. C'est parti. Il y a un petit prospectus, t'as vu ? Ne pas prendre de photos. Don't just jump, hyper jump, ouais, c'est excellent. Vas-y vite, parce que je crois c'est un peu scripté, donc il faut prendre des voilà, tu vois, il est habillé en collant et tout, vas-y, tout va bien, putain, il y a un petit bug graphique, hein. Bon, on s'en fout. Ouais. C'est à play. Il manque des textures, en fait. Ouais, c'est que ça, ouais. Attends, on attend quoi, en fait, combien de photos il faut? Je sais pas. T'en as combien, là? Attends, faut que je vois combien de photos, qu'est-ce qu'il faut. Il te faut 3 bons clichés avec... Mais t'en as déjà un, là, donc vas-y, continue. Bon, si ça, c'est des clichés qui suffisent, oui. J'attends que. Martha, someone's watching. Okay. Martha, regarde, caméra, c'est des pervers. Retourne au porn studio avec la pellicule. Ok, okay. Donc là, putain, t'as 5 étoiles. Oui, c'est FBI. Mais bon, je suis armé et je prendrai mon. Ton sparant. Ouais, normalement ça se passe comme ça. Si ça fail, c'est que. C'est la merde quoi. Parce que je traverse pas la ville avec un truc moi. Non, c'est clair. You, give me that camera. Putain, il monte là, non? Non, ils investissent la zone, on va dire. D'accord. Mais normalement, j'entends parler, donc. Attends, ils sont là. J'ai le temps d'atteindre mon Sparrow normalement. Hein. Donc là, je les mitraille. Ça, ils t'enlèvent. T'as perdu 20 à chaque fois. Ah, ils font très très mal, hein. C'est en même temps, c'est le FBI. On vous l'a dit, c'est l'FBI. Il y a la fois une. Oh, des pigs, vous serez la merde, des pigs, vas-y. Oh, le bug putain. De texture, c'est Play 2, ça. Ok, go. Je pense qu'il n'y a plus personne. Go, go, go. Tu peux aller ton hélicoptère, moi qui ai disparu. Non, ouais. Non, il est là. C'est bon. Ils vont pas me choper là. Non mais normalement non. Oh putain. Ah je lol. Vas-y. Accélère, t'en fous.
Tu vas bien décoller, tu vas bien décoller. C'est bon. Yeah, donc là voilà, il n'y a pas de Hunter, c'est bon. Normalement la mission est réussie. C'est oui, bon. Mais parce que là il faut juste aller au studio. C'était chaud, putain. J'ai vraiment eu peur de me faire choper c'est le coup. De toute façon, c'est là que tu comprends qu'ils t'ont donné un Sparrow. Hein, parce ouais. Que sinon, je pense que c'est hyper chaud. Hein. C'est pas faisable. Parce que non, tu vas pas exprès et tout ça. Mais avec moi aussi. Vu que les FBI te harcèlent. Ils sont très violents. C'était toujours un degré de violence en plus. Et les FBI, comme vous l'avez vu, ils veulent nous tuer juste en fait. Donc là, putain, vous avez vu à gauche là, enfin, vous voyez sur la vidéo, le FBI Rancher est passé dans l'eau en fait, il est parti dans l'eau, il s'est suicidé. Donc là, putain, ils ont mis des barrages chez nous, t'as vu du FBI et tout. C'est long. Chaud, aïe. Putain, tu tires dessus. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh. Oh merde, oh merde, oh merde. Descends. C'est bon. Je m'en vais pour... Tu as changé de barrage, non? Eh hey. Qui c'est qui me tire dessus chez moi maintenant là? Vas-y, qui c'est qui fait le malin là? Vas-y, viens. Tommy. Tommy, vas-y, putain, mais bossez pour moi un peu là, aidez-moi. Tu sais, on a vu des prospectus, je l'ai vu là. Ah ouais? Ouais. Il y a des petits journaux qui volent. Va chercher un. Un gilet pare-balles, ouais. J'ai pas, on va aller voir. Tu vois, là, on l'envoie là. Hop. Là, voilà. Tu peux le zoomer. Bite. Ah, il tourne ce con. Oui, il vole au vent. Voilà, c'est le super film, hein. Voilà, j'ai hâte qu'il sorte au cinéma. Allez, et vous là, vous traversez comme ça là? Allez donc attaquer ces gens là, allez. C'est clair. Allez me conquérir les manoirs. Ils vont là-bas, tu sais. Allez, on va conquérir les manoirs. On va nettoyer les quartiers, nous, tu vois. L'île, elle va nous appartenir maintenant. Allez, let's move. Je commande mon escouade. Ah, ça suffit, je suis bien là. Yeah, moi aussi, je chie un peu là. Allez, entre, allez. On y va. Ils ont la classe quand même, moi j'aime bien leur style. Le rookmout là, vas-y. Allez, 1, 2, 3, allez. Comme en classe, allez. On traverse comme à l'école, quoi. Deux par deux. S'il vous plaît, voilà, merci de vous arrêter quand ils passent. Bon, ils vont où là? On va voir les scripts parce que c'est assez drôle, quoi. Ah, il a pris un poteau, lui. Peut-être qu'ils vont aller foutre la merde. Sûrement parce que là-bas, il. Putain, il se bat tout seul, lui. Il mouche. Oh, putain, il est déjà chaud, tu sais. Il a le sang chaud. Ah, attendez-moi. Qu'est-ce qui éclaire comme ça, là? C'est l'éclairage public qui s'est enclenché. À 19h, il s'enclenche, ouais. On va voir le gang burrito là. À 4, on y va les gars. Même si moi je vaux pour 50. Hein. Allez les gars, vous avez juste la misère à flingue. Demain ils vont apparaître. Ah, en fait, ils vont. C'est leur patrouille de nuit en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Sécurise le quartier, on va dire. Ouais. Pourtant, il y a des méchants là. Hein, parfois qui apparaissent. Hein. Bah, on va voir. Les gangs là. Allez, ils ont vraiment la classe. Hein. Et encore, ils ont que des pistolets. Ouais, hein. Après, ils auront mon Uzi après. C'est mon crew, vous avez vu. Yeah. Oh, putain, lui là. Bon, je peux pas leur dire d'attaquer, on n'est pas à GTA, ça. Hein. Mais je pense qu'il peut prendre dans la gueule quand même. C'est un français en plus, regardez, c'est un français en filature. C'est un français méchant. Oh, regardez, putain. Le flic, c'est parti. Oh, il revient dans le rang, j'ai rien fait. Oh putain, regarde, les gars. Il a tué. Putain, il est là. Et putain, il tape nos mecs. Et oh, attends, qu'est-ce que c'est le keuf là. Aïe. Putain. Putain, je faisais la méduse par terre. Attends, ils l'ont tué. Mais attends, nos gardes là. Oh putain, un gros bide, ils se font tous décimer. Oh mon dieu, est-ce que si je le tape, je vais gagner de l'argent. Oh, je suis choqué là, monsieur. Putain, trois mecs, ils se sont fait venir par un simple flic. Et là. Moi aussi, il m'a niqué le flic en mettant des coups dans la gueule. Hein. Je pourrais être tué pour la peine. Il y a un cœur chez les gangs là. Tu allez, tant pis, je regarderai pas le troisième se faire décimer. Bon. C'est marrant, moi j'aime bien suivre les mecs, les scripts pour voir ce qu'ils font. Comme quoi, il faut que. Vas-y. Save les. Ah, putain, ouais. Ils ont déjà plus les. Il y a plus les corps directement. Allez, pour la peine, Burrito Gang. Oh, je suis un j'ai pas mal, non? Ouais, bien sûr. Ah, oui, ils sont là, la caillou, c'est n'importe quoi. Putain, pour une fois qu'ils étaient partis en patrouille, les mecs ils se font tuer par un flic. Mais là, tu lui tires sur le flic aussi, quoi, chaud. Ouais. Mais je vais te tuer, sale flic. Y'a pas le teddy bear en haut du gang burrito, ça dépend, c'est des variantes. J'ai pas mal. Bon, on va chez Mitch, non? Pour chercher j'ai pas mal. Ouais, bien sûr. Tu l'achètes sinon. Non, je paye pas 200$, hein. Il est toujours aussi radin, parce que tu vas là, tu vas dire directement là. Normalement, c'est une mission de casque, je pense que c'est la dernière, hein. Elle est dédicate, moi je l'avais reçue au bout de la deuxième fois, je crois, à l'époque. Elle est un peu chiante et longue en fait. Parce qu'en fait, t'es timé et t'es en moto et tu dois te balader de toi en toi. T'as moto à de la vie surtout en fait. Ah oui, c'est ça, ouais. Donc je vais voir, de toute façon, si on n'arrive pas la deuxième fois, moi je ferai un code de vie pour la moto quoi. Oui, au pire, ouais, pour pas se prendre la tête. Ouais, parce qu'elle est longue et un peu chiante, hein. Allez, parce que cette musique horrible, c'est Wild Style forcément. C'est cool, Wild Style. Ouais, non mais celle-là était horrible. Elle sort du bon côté, pourquoi pas. Pousse un peu, ça rentre, bon. Moi j'aime bien avoir les voitures comme ça à 4 places là, les fourgonnettes, et quand t'as les mecs à l'arrière, t'es, ils descendent comme ça. Ils claquent bien les portes, ouais, c'est ça les animations, c'est normal, ils claquent les portes. Et non, y'a pas la moto. Non, y'a pas la moto. Moi t'as le gros, il veille tout le temps en moto, hein. Il veille tout le temps en moto. Hey, quoi là? Qu'est-ce qu'il y a?
J'entends la tête. Oh putain, il se relève. Hey, courez, courez. Il va prendre la frigo et il va dans la gueule. Il va venir me voir. Allez, attention, j'ai des gouttes sur l'écran, c'est horrible. Mega jump. Et non, mega fail. Oh, 360. Et scope. Oh putain, vite, 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 vite. Ça. Wouh. Oh, la moto. Et là, il descend la moto et. Ah non, c'est bon. Ouais, tu prends la moto, non? Je prends la moto, mec. Hein. Non, elle va trop être touchée. Je prends le taxi. Bonjour, monsieur. Ça? Ah, il descend, c'est bon. T'es descend chaud. Normalement, il voudrait jouer au chaud là. Ah, si, il voulait jouer au chaud. Ouais. T'as cru qu'il voulait la moto. J'ai cru qu'il voulait la moto pour me poursuivre. Pas lui, quand même. Si, si, non. Non, non, non. Non, c'est que GTA Vice City, son gros défaut, on va dire, c'est. Ça crée des mecs. Il va sous la MPLA plus tard. Hein. Ça crée des mecs tous les 5 mètres en fait. Tu fais claquer le buffer samedi là. Ouais, c'est ça. T'as quelqu'un en face, hop, tu l'aimes pas, tu fais ça, il disparaît. Il est remplacé. J'ai fait ça tout à l'heure en jouant pour avoir de l'argent. Il y avait un flic devant moi, je fais un demi-tour et il y a plus, tu sais. Je fais ok, cool, le flic. C'est les taxis, tout le monde taxi, ça y est, tout le monde copie là. Et tout le monde veut travailler sur le même secteur, ouais, là, c'est sûr. Suffit, hein. Ils sont où les clients là? À part les gangsters, y'a personne ici là. Il fait chier, tiens, casse-toi alors, des stias de merde là. Putain, quand on vous montre un conducteur agressif, c'est la fois qu'on va bien rigoler. Ah, c'est clair. On les fout sur le pont, conducteur agressif, et toi tu te mets à pied et tu regardes. Hein. Et ils se foutent sur la gueule direct. Ah ouais, tout de suite. Hein. Mode émeute, attirer les filles, allez, c'est parti, tu sais, t'en as 50. Alors, y'a des requins cette fois? Bon, on va quand même aller voir. Vas-y, pas sur le plateau pour voir, tiens. Parce qu'elles sont en action. Putain, j'ai jamais vu un requin aussi géant. Shit. Ouais, il est moche, hein. En fait, le mec il veut faire concurrence au temps de la mer. Mais non, mais c'est ça, c'est Spielberg. Ouais, c'est vraiment. Oui, c'est ça. Attends, c'est toujours Rockstar, les caricatures. Hein. Ok. À quoi ça sert? Bon, allez. Y a des paquets cachés parfois ici. C'est parti. Ah, projecteur G, c'est ouais, ça. C'est ça, projecteur G. Ça. Attention. Ouais, faut aller de toi en toi en moto. Normalement, c'est bon, si tu loupes pas trop les murs, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Come on, darling. He's hung like a sperm whale, for pity's sake. How can you not feel the part? But Stevie... How's my star director? Oh, man, the struggle between the artistic integrity and the humping, pumping action continues unabated. And before you ask, yes, all four videos will be released by their... Honey, can you please keep the Andacon in the shot? He costs more per hour than you do. Oh, sorry, Steve. I was thinking, we need some kind of big stunt to really promote the launch. Something that will make a real impact on this city. You got any ideas? Well, in the old days, they used to have gala events, stars, limos, the night sky crisscrossed with searchlights. Searchlights. I got an idea. Oh. Yeah. Well, little sequin numbers and the limos. Premieres. Oh, yes, ma'am. Of course, ma'am. And the press and the barrage of lights. Spielberg du port, il craque un peu, là. Stephen Scott, il est complètement foutu, quoi. Bon, on a fait une toute petite coupure parce que t'avais failé et j'avais un petit peu failé aussi voilà. À la moto. Donc c'est là, ça. Je suis remonté, je suis chaud, j'ai ma PCJ bleue. Tu passes devant le pig, tu peux le tuer. Voilà ça commence, ça remonte. C'est le pig qui m'a perturbé ce coup-là. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, abîmé, hein. C'est une séquence un petit peu délicate parce qu'il faut pas se merder sur les sauts. Parce qu'il y a des checkpoints, mais bon, faut pas trop tomber non plus, on va dire. Hein. Allez, c'est pas grave. Ouais, donc je vais jouer exceptionnellement pour cette partie parce que tu arrives pas du tout en moto. Tu peux conduire, ouais. Après, même si t'es un peu failé, là, je pense que t'as réussi quand même qu'on avait essayé tout à l'heure. Ouais, non, moi j'avais réussi du deuxième coup. Ouais, c'est ça. Autant mettre le plus de chance de notre côté. Attention. Parce que c'est plus intéressant quand même de vous montrer la mission, quoi. On l'a réussi, pas envie de vous montrer que la fin. J'ai envie de vous montrer les tenants et aboutissants, genre voilà, comment on l'a fait de A à Z. Ouais, tout à fait. Donc voilà, il faut se diriger là. Oh, c'est une mission de stunt, de toute façon. Oui, c'est ça. Ouais. Mène à un bureau, je m'en doute qu'il mène pas je ne sais où là. Hein. Allez, on est dans le centre, donc il y a beaucoup de bureaux. Oui, allez, ça, là, un peu le quartier. Donc voilà, faut aller sur un toit pour changer le projecteur comme dans Batman. Hein. C'est un peu... Oui, c'est ça. Ouais. Le truc de Batman à l'intérieur, comme ça. Avant 7h du matin, parce que 7h, le soleil est là, les gens sont là, donc tu serais vu. Parce qu'il y a quand même des gens là. Donc, Tommy il a une vision de la publicité différente. Et là, regardez là. Tommy en impose, hein, il va rentrer dans l'ascenseur avec sa grosse moto et. Oh putain, le boss qui était en train d'harceler sexuellement sa secrétaire. C'est clair, fais gaffe, un petit. Donc là, vu de la caméra de surveillance, hein, un peu pixelisé, ouais, c'est ça. Oh, c'est normal, hein. Ouais, le petit réalisme, on va dire. Le filtre moche. Le point de détail de chez Rockstar. Ouais, tout à fait. Allez hop. Recul, frein à main. Pas un mot, hein. Pas un mot. Il me semblait que moi, quand ça s'ouvrait, la moto était dans l'autre sens, t'es prête à repartir, mais non, en fait. Bon, là, c'est parti. Faut se mettre là. Et le monsieur qui regarde. Attends, recule. Aligne-toi un peu. Voilà.
R2L2 pour clac devant. Voilà, c'est parti. Tire, 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 tire. Oh, c'était limite. Oh, ça devrait aller quand même. C'était limite parce que le verre est un peu incassable. Hein, ouais. Dire, ouais, c'est bon, ça va. C'est parti là. Faut mettre à droite puis à gauche là. C'est à gauche. Non. Pas trop accélérer ni trop freiner. Attention, c'est, putain, c'est, bon, c'est short. Bon. Hein. Là, faut reculer. Allez, on recule. On recule. Mais il faut prendre son temps. Faut, c'est une mission tranquille. On prend nos prises de tête. On a largement le temps à prendre notre. On recule encore, non? Non, c'est bon là. C'est bon. Ouais. Oh putain! Quoi, t'es allé là? Mais non, en fait, je crois que c'était là! Ah merde! Quoi, t'es. Là, c'est pas là, hein! Non, c'est tout droit, hein! Ouais, c'est toujours tout droit, tout droit. C'est toujours tout droit, hein! Bon, on va refaire. Là, ils ont mal vu la scène de l'ascenseur, en fait. Oh, on va vous le remettre, tiens. Non, mais en fait, ça, c'est tout droit, hein. Pas de problème avec ça. Alors, l'équipe ruelle, ouais, ça va passer, ouais. Ouais, c'est les zones grisées, ouais. Ouais, ouais. Sur la carte. Même si elles sont. Attention! Là, voilà, au milieu. Ça passera pas, là. Crazy fingers all night long. Vraiment, il y a un DJ qui nous anime, on va dire. Hein. Oui, c'est ça, le son GTA. Sporty. Alors, on va réussir à force, hein, c'est qu'on est un peu. Oh. On va jamais réussir à finir ce jeu. Si, quand même. De toute façon, on est presque vers la fin là. Il faut juste faire l'émission voilà, des commerces. Après, il va se passer quelque chose dans la trame principale. Ouais. Et puis, hop, on va finir le jeu. Voilà, tranquille, pépère. Je pense qu'il reste. Bon, je veux pas dire de nombre de vidéos, mais il doit pas rester beaucoup. Pépère. C'est ça. On ne sait pas, hein. on complétera pour qu'il y en a assez, je veux dire, avec des conneries, parce que y en a, et des quêtes annexes, il y en a beaucoup, donc il n'y a ouais. Pas de problème, quoi. Vous inquiétez pas, il y aura assez de vidéos, c'est juste pour vous indiquer la trame principale. En vrai. On a prévu quand même pas mal de choses. Hein. Ouais, hop là. Il y a une fougère qui voulait une feuille, t'sais. Ouais, c'est comme les journaux et les prospectus maintenant du film, hein, ils flottent, ils se baladent dans Vice City. Au gré du vent, ouais. Hop, je descends ici, moi. Voilà. Parce qu'on a une limite de temps jusqu'à 7h du matin, mais c'est largement faisable, hein. On peut se casser la gueule plusieurs fois quand même. Oui, c'est ça, pas trop de fois non plus, mais bon. Que la moto a une vie, mais bon, je pense que si on est vers la fin et qu'elle est abîmée, on fera un code de vie. Oui, oui. Bon, exceptionnellement, on fera ça, on va dire. Hein. Allez, c'est parti, l'accélère, tu mitrailles, 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 mitrailles. C'est bon. Le monsieur, il meurt au ralenti. Tu crois qu'il est tombé ou pas, le mec? Non. Parfois, il tombe, hein. Mais bon, si tu rentres dedans, en même temps, t'es mort, donc allez, accélère pas trop, accélère un peu. Bon. Voilà, c'est bon. Ouais, déjà un peu abîmé. Alors attends. Non, ça n'ira pas là. Tout droit juste, hein. Ouais. T'as déjà abîmé, hein. Ouais. Bon, on fera un code après quand il fumera noir. Ok. Alors, on se recule, on s'aligne un peu. C'est bon là. Ouais, c'est bon, c'est tout droit là. Voilà. Oh putain. Putain, elle a rebondi. Excellent. Très bien. Non, on peut les enchaîner les sauts en fait. Bah oui, c'est pour ça, ouais. Allez, tout à l'heure, j'avais réussi à enchaîner. Ouais, c'est clair, ouais. Bon. Doucement, voilà. Ouais, c'est bon retour de merde là. Allez, c'est parti, oh, attention, on va s'envoler. On lève un peu la roue. À droite. Non, Fred. C'est bon. Je crois que t'arrives un peu sur les bordures. Hein. Allez, là, c'est à droite ou gauche, tu choisis. Pour aller tout droit, toujours. Au milieu. Là. Fred. Voilà. Et voilà. Tu vois, on se fait quelques dollars, hein, c'est bien. C'est aussi des sauts uniques, parfois. Oui, des sauts uniques, on en avait débloqué tout à l'heure. On commence à entraîner vite fait, en fait. Ouais. On avait continué, voilà. Ventilation. Oh putain, faut m'arriver au premier checkpoint, comme ça t'auras pas de problème si tu tombes. Hein. Oui, j'ai même le temps de trouver une autre moto s'il je faut. Je vois depuis tout à l'heure que t'as envie de tomber en fait. Ah, derrière, Tommy, il fait putain, je vais descendre là, je le sens bien. Allez, Miguel Beloujob, prends ça fumier. C'est bon. Et non. Et si. Et non. Et si. Regardez. Et si, Tommy. Pourquoi tu me fais le code de vie là, parce que je pense qu'elle va crever la moto. Attends, oh putain, vas-y vite. Tiens. Vite, je vais faire le magnifique code de vie. Attention, passage monte. De manette. Attention. Et voilà, tiens, voilà, deux, c'est fini quoi. Allez, vas-y, hop, ceux qui ont fait les codes, on te les apprend par cœur après. Hein. Alors là, à gauche, monte, escalier en vert, hein, des plaques en vert. Non. Si, il y a le refait en fait, donc voilà, la lightbox dessus. D'accord. Alors là, à droite, il y a assez d'élan à chaque fois. Faut prendre son temps pour les sauts, hein, pas se paniquer. Le V-Rock, on va un peu changer, c'est trop hardcore pour nous là. Tu crois? Ouais, c'est trop fort à chaque fois, V-Rock. Moi, j'aime bien, moi, ça me motive. Allez. Ouais, c'est parti. On écoute un peu. Wow, c'était showtime. Ouais, c'était vraiment chaud là. Mitch Baker il rage. Si vous voulez faire un freeway, il est mort au premier saut. Ah, c'est clair, le mec il rage jusqu'il. Ouais. Allez, c'est parti là, attention. Donc là, c'est le checkpoint. J'ai pas besoin de sauter haut, non. Ouais, c'est ça. Boum là. Ouais, juste parce qu'il fallait prendre un coup dans la gueule. Donc là, c'est le checkpoint effectivement. Ah, voilà. Donc oui,
Voilà. Là, c'est la caméra qui plante, ouais. Mais en fait, là, il nous rabaisse le petit escalier. Le petit escalier qui est juste derrière. Voilà. Vous pourrez effectivement. Eh dire, oui, c'est ta moto, tu la regardes, mais tu montes dessus. Ouais, t'as... Vous pourrez dire, bouh, ils ont fait le code de vie. Bon, écoutez, on a dit, nous, on fait. Voilà. Bon, vous n'avez pas émis la critique, donc pas besoin de s'enflammer. Hein. Juste que nous, voilà, on vous montrait le jeu, on s'amuse, c'est l'été, c'est la fête. Oui, hein, c'est la fête château de sable. Et bottes pour chasser les crabes. Elle est sortie. Là, il y avait un prospectus, t'as vu. Donc, moi, j'ai bien foutu sur le toit, mais pas dans la rue, en fait. Il y en a partout. Ou alors personne n'est intéressé par ces films. Là j'ai fait le fifou. Ouais mais je pensais... J'ai dit allez j'enchaîne les trois. J'enchaîne le troisième là, allez. C'est pas grave, il y a le checkpoint. Ouais, juste c'est là. Ouais, juste là, oui. Pas très très loin normalement. Pourquoi il y a utilisé la barre sur le crack. A droite normalement il y a un truc. Ouais, hein. Il y a un truc. Oui, ça l'a forcément rabaissé. Là voilà. Ah, voilà. Il m'a fait peur, je suis non, comme on était mal placé, il n'y a pas. Donc derrière toi on voit un circuit. C'est dans le camion Top Fun, normalement on pourra y aller. Top oui. Fun qui coulole, des petites voitures téléguidées, on vous en montrera quand on aura peut-être fini le jeu. Peut-être qu'on se finira, sinon on en finira. Non, elles sont. Je sais pas. Ils sont trop durs ou quoi? Ouais, sinon c'est chiant un peu. Je pense qu'on fera ça vers la fin quand on aura fini le jeu. Vous avez le droit à des quêtes à l'extérieur, je pense qu'on ira finir les courses peut-être. Et remplir quelques listes, on va voir ce qu'on va faire. Faites la faute, vous freinez après. Hein. Voilà, c'est bon. Comme ça, moi j'ai atterri et la PCJ aussi. Donc là on voit le tracé, hein. Clac, clac, clac. Oui. Elle est là, elle fume. À 7h du matin quand même, ouais. C'est bon, on a le temps. Hein. C'est bon. Voilà, on se met comme ça. 2 minutes to midnight, hein, la magnifique musique de V-Rock. Elle pollue celle-là. Allez, ouais, magnifique. Voilà, c'était un peu chaud quand même. Mais non, c'est hyper chaud. C'est bon. Easy money. Easy money, j'ai envie de dire, allez. Alors, on se place et c'est bon. On recule à fond. Hop, normalement il y a un deuxième checkpoint, vrai c'est fini. Alors on enchaîne le deuxième, on enchaîne. Oh, je freine parce que sinon c'est la merde. Là il y a un checkpoint, c'est peut-être fini même carrément. Tu crois? Ah ouais, c'est fini après ça. Oh. C'est après on casse la batarang dans le truc et voilà. Oh, voilà. C'est parti. Ouais, après oh, putain, c'est fini là. Oh putain. Allez, c'est parti. Hey, Tommy. Ah, Tommy. Oh putain. Holy shit. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas allé dans la bonne direction là, si. Oh, c'est bon, yeah. Magnifique. Fred. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a Sonic là. Oh putain. J'ai cru que t'avais atterri sur le halo rose et c'était fini en fait. Ouais. Mais non, pas du tout. Allez. Ma moto, s'il vous plaît. Voilà. Non, pas une moto. Hein. Allez, et voilà, on regarde, fini. Les amis. C'est comme ça qu'il faut faire. Hop, tu changes le truc. Voilà. Hop, et voilà. On le positionne. On change la position aussi, je crois, parce qu'il est éclairé juste la ville en fait. Hein. On va mettre un bâtiment avec la pub en fait. Un sub back qui est écrit. Ouais, voilà. Sub for sub. Un gros sub for sub. Voilà, attention. Ouais, prêt. Un gros sub force. Hein. Et voilà, voilà. Candy sucks. Voilà. Alors c'est les ça mecs, les mecs qui habitent ici, enfin qui travaillent ici, assez. Oh, je suis à cette fenêtre là, génial, je suis ébloui. Et voilà. Ça doit bien rager quand même. Ouais, c'est fini. Bon, donc finalement, c'était pas une mission super dure. Non, hein. non, il suffit juste voilà, de rester concentré. Mais, oui, c'est vrai, ça. Mais bon, vous savez, en vidéo, il y a toujours cette pression de par le temps. Donc dès qu'on a un fait, on fait ah putain, j'ai la honte, tout le monde l'a vu, tu vois. Donc c'est pour ça. Allez, je te repasse la manette. Allez, c'est parti, studio le cinéma. Studio cinéma. Ok, c'est ok. Donc on a touché l'oseille, maintenant ça va amasser la thune. Hein. Effectivement, je sais combien, peut-être 7 000 $. C'est bon. Putain, c'est bon ça. En même temps, la tête mission, on a vu le FBI au cul. Et alors tout, hein. Il reste à acheter les taxis, les chantiers navaux. Naval, plutôt, c'est putain. Mieux parce que Navo CXD. Ouais, c'est comme les chacals des chacos. Hein. Des chacos, ouais. Des festivals, des festivaux. N'oubliez jamais ça, les amis. Ça existe pas. Il reste aussi surtout le Malibu. Mais le Malibu, on le fera. Malibu, on le fera plus tard. Hein, là, pas trop le temps, là. C'est une grosse mission. Malibu, il coûte 120 000 de toute façon. Partie d'ici, je crois. Il reste l'imprimerie aussi. Ah, l'imprimerie, ouais. Pas maintenant. C'est alors, soit l'imprimerie, soit le taxi. Je pense que Taxi Kaufman, ça peut être sympa. Taxi Kaufman, il y a des. On se bat pour des clients, je m'en rappelle. Oui, c'est ça, ouais. Lâche à toi, je vais prendre le petit J-Barbal et après on va acheter Taxi Kaufman. Allez, c'est parti là. Oh, yeah. Parce que là, c'est bon, on a encore le temps. On a encore le temps, on va aller voir Taxi Kaufman. Hop, vous inquiétez pas, tout ce qui est un peu. Ah, téléphone, écoute, maison, écoutons. E.T. Tommy, Paolo here, crew pass for Mako. What do you want, Paul? I don't want any fake label clothes. Very funny, mate, but you know I don't touch bank gear. No, I was just calling to see if I can get a part in one of your movies. Back in England, I did a lot of blue stuff, mate. I'm packing more weight than you, my son. Paul, thanks for the offer. I'll bear that in mind. Seriously, don't forget about me after all I've done for you. That's what I'm trying to forget about. On voit que Ken Polkem est un peu opportuniste, ouais, hein, direct, il veut profiter de la situation et non, mec. Et sauter Mercedes et Candy Sucks. Ça risque pas, mec, attends, qu'est-ce que tu crois là? Ouais, Taxi Kaufman, c'est juste de route, ouais, c'est pas très loin.
ici là, enfin un peu plus au plus oui, à gauche, hein, mais c'est attends, la Little Haiti. C'est Little Haiti. C'est énorme parce que voilà, si vous restez un peu ici, j'ai du skill à la moto, hein, ça se voit tout de suite là. C'est clair, tu dérapes tout le temps. Alors, putain, pourquoi tu dérapes comme ça? Là voilà. Alors ce qui est drôle ici, c'est qu'on aura nos gardes comme ça, qui battront constamment tout le temps avec, c'est ça, avec les. Vous avez vu, c'était Michael Jackson quand même. Eh, c'est parti. Taxi Kaufman. Taxis Kaufman. C'est la légende quoi. C'est... Ouais, c'est clair. Les vieux en fait, c'est les vieux, le cas, voilà. Écoute. Guess you're the new owner. What are you, mob, cartel? You don't look Mexican. Anywho, I guess you better get on with the things are gonna change around here crap. Maybe threaten one of the drivers. Go steady on Ted over there. He's just had his hernia fixed. Well, yeah, things are gonna change around here, lady. Oh, crap, Sonny. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now, here's this. We are now under new management, and things are gonna change around here again. Our new management, the... Which gang are you? Well, I'm not part of any gang, actually. What's your goddamn name, kid? Versetti. Tommy Versetti. Our new management, the Versetti gang, is gonna make sure we get no trouble. Capiche? Out. Did you like the capiche? I like the capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them, etc., etc. You got it? Yeah, I guess. Just grab a taxi from the garage if you feel like jumping in. Je crois qu'elle a pas très compris la vie. On vient pas ici pour bosser, nous. Hein. Nous, c'est la direction, on contrôle tout. Et surtout, le jour où on se prendra une dérouillée, je crois pas, les gars. Elle a mal compris. Les choses ont vraiment changé ici. Hein. Je pense. Ouais. Vraiment, pimp my ride, là. Pimp my cab, même. Vas-y, prends. Hop, voilà, c'est l'émission avec le Kaufman, K, là. Hein, K. Il suffit d'aller juste voilà. Là. Oui, non, mais je vais regarder un peu. Voilà, on regarde. Donc, le taxi Kaufman, c'est eux, là, les vieux. Taxis zébrés. Un peu vieux, c'est ça, ouais. Il y aura un vrai zébré tout à l'heure. Là, la salope. Non, je crois qu'elle est en bas, non? Ouais, mais voilà, oui, ouais, mais c'est que la cinématique ne correspond. Ah, si, elle était là. Elle était là, c'est barré, hein. Ouais, c'est barré. Là, il y avait, vous avez vu les deux skins de taxi, les brawlers. Oh, c'est Mario et Luigi, hein, ah, rouge ça. Et bleu là. C'est clair. Et c'est parti. VIP. VIP, bon, ça, c'est une mission. Attends. Ouais. Allez, c'est parti. Voilà, Tommy a fini en fait. Putain, là, il s'est fait avoir, je pense. Hein. Ouais. Il pensait qu'il allait contrôler et gérer tranquillement la compagnie de taxi. Et c'est un lampin comme les autres en fait. Hein. Alors qu'il se prenait pour le chef après avoir conquis Hollywood hein, de Vice City, hein, Vice Wood, je sais pas comment vous pouvez dire ça. Voilà, il se retrouve finalement sous la pluie avec un vieux taco là, aller chercher un mec sur Starfish Island. Hein. C'est assez incroyable la régression sociale de Tommy. C'est vous. Il n'y a pas longtemps, sur un hélicoptère et maintenant, on se retrouve chauffeur de taxi. T'as gagné à peine le SMIC. Non, même pas. C'est même pas de salaire minimum, de toute façon. C'est pas clair. De SMIC hein, aux États-Unis. Hop là. Allez, c'est parti. Traverse pas, toi. Avec mon câble là, yeah. Y'a un problème. Bon, faut pas trop l'abîmer parce que la course va être spéciale, a priori. Ouais, c'est VIP, hein. Là, je klaxonne, c'est bon. Un français. Un maudit français. On va les tuer. Oh, la concurrence, regarde. C'est marqué, c'est le bleu. Et c'est le bleu. Le bleu, il travaille chez nous. Oh, c'est un vendu. Oh, c'est un vendu. Oh putain. Putain. Donc là, il faut le défoncer. Avant qu'il arrive au point violet, sûrement. Ah oui, c'est ça. Bon, là, ça va aller vite. Hein. Là, attention, parce que les taxis Kaufman. Les keufs, quand même. Les keufs. Ouais, c'est bon ça, c'est easy. Bon, faut pas le tuer, mec. Voilà, faut pas le tuer. C'est bon. Monte. Oh putain, il est chaud, lui. Oh, vas-y. Si tu le tues, voilà, moi je te tue, mec. Hein, si tu me fais juste, je te tue là. Allez, à l'aéroport. Putain, c'est pas là, alors l'aéroport. J'ai vu après. Oui. Monsieur, nous sommes suivis par. Ok, par Luigi. Visiblement, il a pas accepté. Putain, chaud, il vient de taxi Kaufman. Il y a le gang de Kaufman ici. Qui roule maintenant, rule the world. Allez, on y va, monsieur. Non, c'est bon, c'est plus une menace. Je pense pas qu'il y ait ses potes en plus. Non, je pense pas, non. Donc là, c'était facile parce que j'ai eu de la chance que j'ai réussi à le coincer en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Dès que tu le coinces, tu le usis, c'est bon. Bah, faut dire qu'avec les voitures caisse à savon, c'est un peu exprès, hein. C'est un peu de l'aléa. Des fois, tu arrives tout de suite, des fois, tu galères. Tu roules près d'un mur et tu le bloques en fait. Ouais, wow. Ça clip. La D2 bosse pas mal sur les routes en ce moment. On voit les dessous de décor. Allez, c'est parti, pousse-toi, toi. Donc, vous avez vu, on a les taxis Kaufman, ils sont partout en ville. Hein. Le gang, comme t'as dit, représente. Donc, faut que tu me fasses penser à virer
déjà le Luigi bleu, hein, c'est un traître. Ah, c'est un traître. Pourtant, la cinématique, il était là, tu sais. Ah ouais. Peut-être qu'il a. Il est déjà passé en face, le mec. Il fait liquido, genre les freins, liquido, enfin, il se monture, il a un petit peu trafiqué. Ça m'étonne pas, vu la gueule de la voiture. Carrément. T'as ton sniper. Genre, je l'ai oublié, il y a 50 missions. Vas-y, là, hop. Hop. Allez, monsieur, voilà. J'espère que c'est fini, non? Déjà? Retourne en France, t'es. Allez, c'est clair. Donc là, no gun et no. Je sais pas quoi. Et voilà, bon, petite mission. Ouais, Taxi Kaufman, vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, l'émission. C'est clair. Bon, en même temps, vaut mieux, tu sais, amène le FBI le Taxi Kaufman, tu sais, ça serait pas réaliste, quoi. Là, ces petites missions comme ça. Escorte le rhino sans se faire toucher. Ouais, c'est clair. Suis un rhino, voilà. Mais sinon, voilà, c'est pour, en fait, c'est pour dissimuler qu'on peut faire R3 pour faire du taxi. Hein. C'est des missions scénarisées, finalement, avec un taxi, une course, quoi. Bah, je pense que, ouais. Y a pas d'endroit ici. Non, mais non, y a pas d'endroit. Non, c'est dans Vest History, y a des panneaux cassés, tu vois, c'est là. C'est tout le temps, c'est toujours un peu long aussi, tu sais, passer de là à là. Attends, s'il y a le il y a le petit ce passage là. Oh, mais c'est la merde, non? Non, non, tu passes derrière là, après t'as la voiture qui se retourne et tout. Ok, c'est des, juste des feuilles en fait. Ouais, hein, ouais, c'est City, hein. Ils ont modélisé 3 arbres et demi. Ils plantent des feuilles, hein. Ça n'a rien à voir avec la serre de Curlix. Hein. Allez. Il nous 16, très bien. Je vous la laisse, je m'en veux pas. Comme elle n'a pas de visée automatique, elle est nulle. Hein. Elle est pas très bien, ouais, c'est vrai. Okay, c'est pourri. Sur PC, autant sur PC, comme tout en manuel, on vous montrera, c'est super. La M16, c'est comme le Wii, vous voyez, c'est pareil. Hein. La souris, ça rock. Eh bien, c'est il a pris un shoot là. On rigole, vas-y, on rigole, juste on rigole. On se recule pas mal quand même. Là, les 3-4-4 vont péter. Ouais, effectivement, regardez, le vent souffle. Fais gaffe, fais gaffe. Cassez-vous, tu sais. Me file pas ta gale. Ok, il a rien derrière. Allez, c'est bon. Je pense qu'il faut que tu quittes le taxi quand tu seras arrivé. Oui, c'est me l'ordonner, c'est bah ça, oui, ça me ça. Prendre celui-là. J'aime vraiment beaucoup l'IA du jeu, des conducteurs. Tu ouais, ils sont vraiment. C'est vrai que c'est. C'était vraiment incroyable. C'est le premier GTA auquel on est vraiment de la life dessus. C'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, on garde d'excellents souvenirs sur ce jeu. C'est vrai qu'on tenait cœur à vous le faire et ça me tenait à cœur vraiment. Et vous allez voir encore. Putain. Ouais, mais tu joues trop chaud, les haïtiens ils vont te défoncer. Ouais, ouais, regardez ça. Putain, chaud quoi. Bon, voilà, et ça me fait vraiment plaisir. Ils sont vraiment agressifs, je leur rends dedans, ça les excite et tout. Tu vas faire brûler. Ouais, mais je sais. C'est pour leur donner un cadeau. La moto qui brûle, c'était tout brûle. T'as regardé, c'est un peu. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils vont venir, ils te tirent dessus. Mais venez là! On va tirer des étoiles, figure, ça sert à rien. Faut t'en faire une mission. On planche la mission. Allez, ignore. Kaufman Cab, allez, c'est parti. Deuxième mission. Deuxième mission. Concurrence amicale. Amicale, amicale, hein. You see, cabs keep beating us to it. They just got too many cars. We can't compete. Mr. Bassetti, if you're out there listening, you want to put some VC cabs out of action before we go back? Allez, c'est parti, on va mettre la loi de la concurrence, hein. Hors sac. C'est la loi de la concurrence, il faut mettre 3 taxis pour équilibrer. Putain, je veux bien payer lui, donc c'est voilà, c'est des taxis VC. Ils sont marqués, ouais. Ils ont en fait, c'est des cibles. Voilà. Ouais, c'est, normalement, c'est pas très compliqué non plus. Putain, ils font chier, c'est haïtien. Bah, le quartier il est tendu, hein. Ouais. Bah, clac, et tu le percutes, et après tu le. Boum. Ça fait, les haïtiens, ils te tirent dessus, ils vont te carjack. Parce que quand tu fais du surplace, là c'est pas bon. Allez, casse-toi, c'est bon. Casse-toi, t'as la gale. Tu vas éternuer, casse-toi. Allez, demi-tour. Allez, c'est parti, deuxième victime. Kaufman, et voilà, Luigi il est mort. La concurrence. Voilà, donc on va quitter le quartier de ces connards de haïtiens. Oui, ce sera vers les cubes, au pire, hein, ou au port. Ouais, mais ça devrait aller là. Oui, c'est mieux, tout de suite, c'est mieux. Merde. Juste, attention, pourquoi péter ton taxi quand même? Je me grattais le nez et voilà quoi, tu vois ce que ça fait, tu vois, tu peux pas te gratter au volant. Ah, c'est interdit, hein. C'est interdit. Jusqu'à interdit, tout est interdit. Téléphoner au volant, boire au volant, fumer au volant. Ouais. Vice City, tolérance zéro. Ouais, c'est clair. J'ai encore mon étoile d'ailleurs, hein. Mon insigne de shérif. Attends, il est là. Mon insigne de shérif Pepper. Dans l'eau. Tu sais, il a baissé le pote et tout. Putain, vas-y, il a boum. Il veut test. Là, ce qui est pas de flic, parce qu'eux ils vont te tester, effectivement. T'es chaud, il veut jouer à des chansons de Derby. C'est bon, vas-y, tu peux partir. Oh mon dieu, non! C'est bon. Oh putain! Putain, mec, c'est bon, relax! Putain, encore l'étoile, je pense aller au Pain Express en fait, ouais. Est-ce que j'ai le droit? Je sais pas. Oh si, on va au Pain Express, c'est mieux. Attends, sinon. Ouais. Non, c'est trop risqué. T'as le droit ou pas? Il a abîmé. Bah, pourquoi j'ai pas le droit? Qui va me dire j'ai pas le droit? Vas-y. Il a échec. Il fallait pas aller au Pain Spray. Le Pain Spray est interdit. Bah, heureusement qu'il passe pas le temps. Parce que comme dans. Ouais. C'est à partir de GTA, sérieux, où ça passe le temps.
Ah non, GTA 4. Ça, ça passe non, pas. Non, nouveauté GTA 4. Là, je pensais que ça passait, tu vois. C'est, en fait, c'est devenu tellement une évidence, on a tellement joué à GTA 4 que... Après, tu crois que c'est acquis, en fait. C'est là, en rejoignant du GTA, que tu t'aperçois qu'il y avait quand même une... Attends, attends, attends. Il y avait une certaine avancée en termes de gameplay, hein, parce qu'ils ont amélioré quand même pas mal le système. Ah, ils ont changé, ouais. Petit à petit, comme ça, ils ont, voilà, ils ont rajouté un quelques... Je vois pas. On voit rien, quoi. Oui, ça, ils ont changé, effectivement. Là, par exemple, le paint spray, ils ont fait un côté réaliste, ça prend du temps de réparer la voiture, de la repeindre, et en même temps, tu peux y aller si t'es vu par les flics, tout voilà. Ça, quoi. Côté stratégique. Moi, j'aime beaucoup l'icône Kaufman, tu vois. Peut-être ça fait du jeune dans le truc. Hein. Sortir dans le prochain. Acheter des trucs de peinture, voilà. Essayer de la sortir, revenir. Ah, dommage, deuxième couche, elle est pas prête, ça te prend 18 jours. Voilà, très bien. Chaud pour la réparer, quand elle fume, tu peux pas la réparer, tu sais. T'as quoi? T'as 15 000 dollars de réparation, tu sais. Avec, c'est chaud ça. Ça, c'est des changements de fil dans ce jeu, c'est drôle. C'est oh putain, faut que je tourne. Voilà, comme dans The Gateway, quoi, un petit peu. Ouais, c'est clair. Mais il y a ça aussi dans L.A. Noire, maintenant on peut vous le dire, c'est tard maintenant, on peut en parler d'L.A. Noire. Voilà, il y a ça aussi, hein. Ils font, ah, faut clignotant, tu sais, claque, oh, clignote. Non mais le mieux, c'est les mecs, ils ont feu vert, ils s'engagent, ils s'arrêtent. Ouais, ils s'arrêtent, non mais, ils fait, tiens, je suis bien avant ça. Mais en plein milieu du giratoire, hein, du carrefour. Mais putain, qu'est-ce qu'il est bon quand même, c'est clair. On a pris beaucoup de plaisir à le faire. Le testement devrait bientôt arriver, hein, pour vous là. Vas-y, taxi, même si on peut dire. Je pense qu'il doit rester une ou deux missions. Ouais, il me semble qu'il y a le zébré là. Ah ouais, sans spoiler, le boss, c'est la mère porteuse là, la poule pondeuse des taxis quoi. C'est clair. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Putain, voilà. Monte dans le taxi et paye la course. Même multiplicateur de 3 personnes et voilà. Voilà, c'est ça. Il va être dur quand même. Bon, on va voir. Ah, demande à Cortez à prendre dans le centre. Mercedes, je la connais, j'y vais. Dans le centre. Ouais. Mais c'est pas là le centre. Mais ouais, bizarre. Ouais, ah, c'est les mêmes mecs, ça y est. Voilà. Faut que tu prennes Mercedes et que tu le mènes dans le centre, je pense. Okay, il va y avoir le zébré qui va venir jouer au show. J'irai au paint spray avant de rentrer. Mais tu me semble que ça va être difficile parce que c'est un méga cab Magadon, c'est comme un Destruction Derby géant. Oui, je crois. Sais, ouais. Et énorme. Et du coup, je sais pas si on perd sa voiture, si on meurt en fait. Bah, on va voir. Normal. Au pire, on fait un code de vie, on va voir. On verra, moi je pense pas, mais bon. Je chourrai une fois pour voir ce que ça devait, après on refera sinon. Pas que je décélère parce qu'il faut, c'est lui. Pourtant j'ai bossé pour Tata Poulet les gars. Ah, a priori non. Pas assez. Pas assez pris de drogue chez Tata Poulet. Il manque plein de magie cube. Ouais, t'as détourné la sauce au Puyo Loco. Et oui, là, les poules je lui ai pas rendu en fait, j'ai faké, je lui ai passé de la farine. Bah mais attendez, nous tout ce qu'animaux, poulet, mouton, on est obligé de donner à courir sinon voilà. Ouais, c'est clair. Ah, Charles. Il se venge sur les autres. Bah oui, on a vu ce qu'il faisait à Curlix ou aux autres. Hein. D'ailleurs son mouton géant il a déjà dû en abuser plusieurs fois. Il a déjà dû diminuer de taille maintenant. Oh mon dieu, c'est horrible. On est pas là pour voir ce qui se passe sur le serveur et il se passe plein de choses. C'est clair. A noter que, ouais, juste comme ça, on ira dans le Nether en multi aussi. Hein. Nouveauté en plus, ça va être intéressant ça. Allez. On abandonnera courir, on cassera la porte, tu sais. Ouais. Hé, hey, Mercedes. Elle est là, Mercedes. C'est qui? Oh putain. No sign of Mercedes. Bon, apparemment ils sont beaucoup et ils vont fermer la grille, je crois. Ouais. C'est ça qui est vraiment énorme, tu sais. Ah, faut tous les péter. Ouais, nickel, mec. Regarde, c'est que des Mario. Si je descends, j'avais quoi? Bon, je descends pas. Reste vivant jusqu'à la fin du temps imparti. Ah, ouais, t'as mis. Ah, il me semblait que je cheatais à fond au lance-roquette, tu sais. Tu te caches ici comme ça. Voilà. Ouais, ouais, je sais pas s'il faut trop les faire péter parce que ici te pète dessus. Moi, j'en fais une boucle, tu vois. J'aurais tourné tranquille. Ok, ouais. Il y a plusieurs techniques de toute façon pour ça. Oh là là, comme au rue. Ah d'accord, ouais, mais c'est vrai qu'ils sont pas en... C'est excellent, c'est vraiment du Destruction Derby, j'adore. Ah mais fais gaffe. Ah, c'est... ah mais là tu vois, c'est chaud parce si, que... Si, c'est bon. Pète. Fais gaffe à l'eau. Ah, c'est bon. Ah putain. Genre, je me range, ça brûle ça. 18 secondes, fais gaffe. Il va me violer. C'est horrible, vous avez vu comment il m'abuse? Ouais, 2 secondes, je pense que c'est bon, ouais. Mais du coup, comment je batte le boss comme ça après, hein? On va voir. Moi, je le pète au lance-roquette. Je me rappelle que quand on cheatait, à la bonne époque, c'est quand tu fais en cheatant, tu descends lance-roquette et il y a plus personne, tu bouges une minute en faisant rien. C'est clair, hein. C'est ça qui est drôle, c'est que les codes, parfois. Et voilà, le gros port. Pourtant, ça doit être notre pote, tu vois, il est en mode taxi Kaufman. Il aurait venu pour l'ange gardien des taxis Kaufman, mais okay. Français de la tôle. Oh mon dieu. Bousille de taxi leader. Si je descends, ça fait quoi? Je sais pas. Moi, on essaye pas. Je crois ils sont tous à arrêter et tout, tu sais. Et ici, pourriture. Il a ouvert son... C'est bizarre, il avait son... Il était déjà ouvert, hein. Son capot ouvert. T'as vu comme il est grand, le pilote, le conducteur. Ta-da-da-da-da. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, vas-y.
Il a un pneu crevé, c'est bon ça, trop facile ce jeu. Easy Money, le taxi d'orphage. Tiens là, Pepito, c'est lui en plus. C'est Luigi. C'est le roi des traîtres. Essaye même pas, tu peux pas test. Putain, il est vachement résistant. Ah, il est résistant. Il fume pas encore. Ah, ouais. Hallucinant quoi. 20 ans que je prenais des taxis, j'ai jamais vu c'est ça. C'est clair, Mono Taxi Kaufman il fume tout de suite, faudra penser à les changer hein. Je pensais qu'il date un peu de la guerre. Oh putain, c'est bon, putain, fuis maintenant. Oh mon dieu. Il fonce sur nous, Easy Money en fait. Ah, mais oui, c'est trop facile, et voilà. Et viens, ce con de Luigi. Putain, Luigi. Il va prendre mon taxi, les gars. Ah ouais. Peut-être. Il va prendre mon taxi dans la gueule, surtout. Eh, Luigi. Il va pas t'inquiéter. Il a un katana, c'est trop drôle. Et il vit encore, non. Il y avait encore son icône, des. J'ai pas entendu le gong sonner. Et voilà, ça fait Taxi Kaufman, ok. Donc voilà, tranquille, hein. Oui, mais voilà. Mais c'était intéressant, vous avez vu, taxi, on se bat. Tout de suite, le rapprochement. Les taxis se battent, hein. Voilà, compagnie de taxi acquise. Acquise, ouais. Et on va se quitter hein, sur ça, juste on va ouais. Peut-être faire le compte de 3 ouais, trucs. Hein. Ça, ouais. Et là, ça, 5 000, ça, hein. Ça récolte la thune, quand même. C'est clair. Comme quoi, Sunshine Auto qui récolte 1500, peut-être ça peut s'augmenter avec les listes et les courses. Ah oui, ça peut s'augmenter. Hein. Je suis pas sûr, hein, franchement. Mais en off, on fera les courses, sûr. Il me semblait que ça restait à ça. En off, on fera des listes et des courses. Il et puis, reste plus qu'une course, de toute façon. Ouais. On peut la faire sinon. Ouais, c'est bon, il y a on va sauvegarder, tiens, on l'a pas fait. On s'en va prendre off sinon. Donc il manque un phare, c'est cool ça. Bon, on va à la Sunshine, hein. Ouais, il est chez nous. Putain! Hé, hey, arrêtez-vous! Avec le Taxi Kaufman en ville! Yeah! That's it! Mais là, tiens. Tu R3, tu sautes, non? Non. Là, c'est juste, voilà quoi. Donc, hop. Il est désossé quoi, hein. C'est qui est énorme. Bon, si on regarde le moteur, c'est juste un JPEG, on a vu. Il n'y a pas les pièces moteur. Il y a encore un byte. C'est drôle, ils en ont foutu partout en fait. Ouais, il y en a partout. Ça, c'est bien ça. Ils ont fait générer aléatoirement. Bon, mais on va quand même se quitter là, je pense, pour la 9ème partie du Walfou sur Vice City. Récolter l'argent, puis on va rouler sur le dock un peu. Ouais. Sans tomber, cette fois. Ah oui, je vais vous montrer ça, j'ai fait une liste et... Oui, t'as fait une liste et t'as récupéré une voiture. Hein. J'ai fait la première liste et j'ai trouvé la Deluxo, donc une sorte de Blista compact boostée, on va dire. Hein. Un petit peu, peut-être. Un petit peu. Non, pas lui. Voilà, une voiture unique hein, qui est trouvée qu'ici, donc oui, dans ça, les ouais. Listes. On la trouvera pas. Non, on n'en croise pas. En tout cas, si je m'en rappelle bien, quand même, c'est un bon véhicule au niveau de la tenue de route. Ah oui, tout à fait. Ça écrase bien les gens et tout, c'est le principal, on va dire. On va chercher le lance-roquette et on s'arrêtera ben là. Oui, ben là, ouais. Ici, là, entre ces arbres. Allez, hein, Maurice Chavez, tu te tais. Voilà, à la flotte du Luxo. Bon, et voilà, c'était la 9ème partie. Hein, ouais, un peu laborieuse. Le Walfou de Vice City. Bon, alors, ça va quand même. On a, ouais, oui. Parce que moi, Gérard, vous a montré l'émission du cinéma. Des studios de cinéma et du Kaufman, Taxi Kaufman hein. Et pour le prochain épisode voilà, on a assez d'argent pour acheter Malibu ouais. La boîte de nuit avec Ken Paul et tout on va foutre ouais, le bordel c'est hein, clair, ça va être des missions assez de plus en plus sérieuses on va dire hein. Ouais c'est super sérieux c'est vrai il voilà. Ou l'amour sport il existe allez à bientôt alors voilà merci au revoir. That I need.